On le sait, le site internet de l'INA connaît un énorme succès auprès du public qui aime revoir de vieilles émissions de télé. Surfant sur cette vague, l'Institut national de l'audiovisuel a décidé de mettre de plus en plus de documents à la disposition des enseignants ou des élèves, et cela gratuitement, en ligne, sur son site. Vous y découvrirez notamment des archives d'événements historiques, mais aussi des pièces de théâtre comme Don Juan qui sont au programme pour le bac. Mallory Aounou, Virginie Travers. Comment se fait-il que l'eau soit incolore? Pourquoi le ciel est-il bleu? En quelle année est mort Galilée? Que de questions. Et si les réponses ne venaient pas de monsieur le professeur, mais du téléviseur? Un demi-siècle d'archives, d'émissions, de documentaires que l'INA propose désormais en accès libre sur Internet pour apprendre. Du film sur les pharaons pour les sixièmes à un entretien avec Sartre pour réviser sa philo en terminale. Un classement par matière pour les élèves, du concret pour les enseignants. On trouve des jalons pour l'histoire du temps présent qui sont des documents, il y en aura à peu près 1000 à la fin de l'année, il y en a aujourd'hui 700, qui sont vraiment destinés aux enseignants, en particulier d'histoire. Les journalistes ont pris possession de leur poste. Que porte-t-il ? Visionnage gratuit, téléchargement pour quelques euros. Les archives audiovisuelles vont trouver une nouvelle vie en complément des sujets abordés en cours, confirmation dans les salles de prof. J'utilise des supports qui sont déjà en ligne. Et là, c'est vrai que ça ouvre une porte énorme. On va pouvoir travailler avec les élèves en salle multimédia. Ils vont regarder une vidéo de 10 minutes, un quart d'heure d'une émission. On pourra retravailler par derrière. Je vous ai compris. De quoi changer ses habitudes de travail, mais aussi sa façon de regarder la télévision. Un peu paradoxal d'imaginer que les élèves passent beaucoup de temps devant la télévision pour les divertir et que cette télévision, qui a été en même temps, qui a collecté toute l'histoire contemporaine, qui a parlé de littérature, qui diffuse des pièces de Molière, tout ça est une source de pédagogie, une source d'enseignement magnifique. En service dès aujourd'hui, l'offre devrait encore renforcer le succès du site qui ne se dément pas. Depuis avril, il enregistre chaque mois plus de 11 millions de pages visitées.